Bonjour à tous, une nouvelle vidéo ici pour Touchpad TV avec Julien et Jordan. Votre duo de choc, vous parlez du coup encore une fois du produit qu'on adore, une licence qu'on surkiffe, qui est donc Star Wars pour le fabricant Gentle Giant et Gamma Select. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Alors ces statues, malheureusement, je vais pas vous mentir, vous ne l'aurez pas. Pourquoi? Alors, un petit coup de gueule, on va quand même en parler, je t'en prie Jordan. Oh, oh là chouchou, distribution de merde. Parce que vous savez pourquoi? Parce que, eh ben maintenant, quand vous voulez de la Sokatano, quand vous voulez du Clone Wars, du Mandalorian, c'est coupé. Voilà, en fait, si on n'en commande pas 60, on n'en a pas. Si vous n'êtes pas américain, vous ne valez rien. Voilà, c'est ça un peu le rubrique. Ça veut dire qu'ici on a des précommandes. Alors ça Avant de parler du produit, on parlait quand même de la distribution. Ces produits-là sont mis en précommande presque un an à l'avance. Très bien. On en commande si on veut 10, 20, 30, 60 000, pas de problème. Et puis d'un coup, t'as un petit diamant qui fait Ouais, justement, voilà. Qui font ding dong. Et ben vous en aurez pas avant de trou. Voilà. Genre, je vous jure, des statuts pareils, on nous a annulé tout. Mais tout. On a commandé 10, 0. Genre, vous en aurez pas. Nada. Et pareil, des bustes, Mandalorian, etc. On en commande genre 30, 40. Ils font vous en aurez 2. Quoi? Pourquoi? Toujours qu'on est 5 dessus. Ouais, les Américains, ils ont coupé, ils ont pris une partie pour eux. Allez vous faire foutre, les une gars. Une partie? Allez vous faire une partie. Voir. Ouais, c'est ça. Une partie. Et donc, du coup, qu'est-ce qui nous oblige? C'est qu'on a d'autres importateurs, d'autres connaisseurs qui, aux États-Unis ou dans d'autres pays qui nous fournissent quand même. Et on en va les avoir. Après, on en paye les conséquences. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une statue seulement à 169,90, on l'a à 250 balles maximum, frais de port compris. C'est déconné. Frais de port compris. Voilà. C'est une statue quand même qui est limitée à 3000 exemplaires, donc c'est pas comme s'il y en avait que 8 au monde. Et c'est déconné. Donc voilà notre coup de gueule pour Diamond. Donc si vous écoutez, allez vous faire voir chez les Grecs. Voilà. Par contre, les Grecs vous adorent. Ouais, je veux dire, les Grecs, je les aime bien. Oh. Non, mais eux, ils sont tout punchy, tu vois. Si vous voyez Diamond, on va faire un coup d'épaule de réponse. En tout cas, pour la suite, la statue, par contre, notre produit est toujours aussi dingue et si génial. Le choix en est toujours terrible. Notez par contre que cette boîte est complètement faite. Alors, avec les pieds. Je crois que quelqu'un n'a jamais vu Star Wars Clone Wars. Ouais. Pourquoi? Parce que, du coup, vous retournez la boîte, il est marqué Star Wars Rebelle, alors que c'est une photo de Clone Wars saison 7. Voilà. Saison 7. Alors que là, vous avez une belle Ahsoka de saison 2 de Rebels. Le what the fuck. Mais en tout cas, après toutes ces critiques et cette intro what the fuck de votre duo, on va montrer en détail. De suite. Bam. La voici en détail. Alors, une statue quand même vraiment belle, qui a une certaine classe et surtout une belle identité à Rebels. Moi, je la trouve majestueuse. Ouais, elle est vraiment cool. Majestueuse au niveau de ce qu'elle veut raconter et de comment ils l'ont réalisé. Je trouve qu'il n'y a pas un défaut. Ouais, c'est, bah après. À part la distribution. Ouais, on va voir ça. Moi, je trouve juste par contre qu'elle fait justement trop film. En fait, dans l'animé, elle a pas ce même visage là. Elle a un visage non, là. Là, elle est interprétée en version réaliste. En version Mandalorian, alors que c'est une version rebelle. C'est ça qui est bizarre, c'est que t'as une photo Clone Wars sur la boîte, t'as une statue non rebelle, t'as une tête de Mandalorian. Alors, je pense que c'est une Ahsoka Tano avec en majuscule gras, tu vois. Mais alors, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est la fin de la saison 2. Enfin, c'est la saison 2 où justement il y a son oiseau fétiche qui va sur sa main. Je trouve ça vraiment cool. L'oiseau est déjà super bien fait. Les couleurs, le travail de peinture, le dégradé, il est vraiment réaliste. Il est réaliste et il n'y a rien à dire d'autre que super beau. Ouais. Le raccord entre la main et l'oiseau est parfait aussi, franchement. Parfait. En fait, c'est ici le brassard, donc du coup, jusqu'ici, vient s'enroiter dedans, du coup, qui évite justement d'avoir ce truc-là. Ça, c'est cool. Et alors, quand on descend, vous avez donc du coup le visage d'Ahsoka, comme on le dit. Bah, qui est interprété, mais ressemble à Ahsoka Tano. Bah ouais. Dire, tu te dis pas, c'est qui Ouais, on dirait pas Daredevil, quoi. Encore moins. Matt Murdock, on a ce cas. Voilà, les Togutas, du coup, ont des longues queues comme ça sur le côté qui sont très bien faites. Très longues. Les couleurs sont respectées. Ensuite, au niveau de l'armure, et ça, j'aime vraiment le travail de couleurs et de texture sur le corset et sur les avant-bras. Génial, je sais pas comment dire. Il n'y a rien à dire. Parce que c'est vraiment un beau travail. Et limite, tu t'attends impatiemment la premium format size. Ouais, exactement. En ça. Ensuite, plus bas, vous avez donc du coup ces deux côtés, c'est fourré et ces sabres laser. Les deux sabres laser qu'elle utilise dans Rebels. La ceinture. Plus bas, on a les bottes. Mais je trouve que le design et le travail de frame sculpture est vraiment génial. Je sais pas comment dire. C'est dommage qu'elle n'ait justement pas en premium format. On verra bien ça être chaud. Par contre, le socle. Simple mais efficace. Moi je trouve pas plus. Bah moi j'aurais quand même voulu des dalles un peu typées extraterrestres, tu vois. Parce que non. Là ça fait vraiment un toit de Batman. Bah, je te jure. Avec Batman. Putain. Batman vs Ahsoka Tano. Non, franchement, là c'est trop peu. Ou alors ils auraient pu mettre Ahsoka Tano, écrit Star Wars dessus. Tu sais quoi? Non, bah moi ça me suffit. Non. J'ai pas besoin de peu sur. Je vais même me concentrer que sur. De LED? De boue. De boue. Non, on se concentre du coup que sur Ahsoka Tano et. Voilà, ça met en valeur. Et que s'il y avait un décor trop surchargé, ben on serait que dessus. Ah, ok, ça va, je comprends ton point de vue qui est complètement merdique. Ok. Vous avez pu voir la statue en détail.
Alors, malgré une intro très catastrophique, voici à sa tue qui est magnifique. Que dire que, waouh, franchement, Diamond a congélé. Merci, Diamond, d'être présent, de nous proposer des produits en résine à des budgets intéressants, mais avec une distribution catastrophique. C'est très dommage, parce que ce fabricant a tellement d'ambition et de potentiel que c'est très triste de se dire la distribution est foireuse. Ouais, alors ça. Qu'avant, ça allait, mais maintenant, c'est catastrophique. En fait, quand c'était que tout le monde s'en foutait, ça allait. Mais maintenant que la hype est montée et que tout le monde veut du Star Wars à un bon prix et une bonne qualité, bah, bizarrement, les grosses chaînes se réveillent, font genre, hé oh, nous, on est prêt à craquer pour l'avoir. Mais on est Carrefour, on en veut 20. Et nous, on est là à faire des chaînes YouTube et tout, à montrer pour des cools. Et maintenant, ils disent, ah, les YouTubeurs, ils ont bien craqué comme des cons, bah, on va leur piquer tout leur statut. La gars, ça, je vais envoyer un mail, tu vois. T'as chier. Non, voilà, en tout cas, voici statut. Sincèrement, au-delà le problème de Diamond dans sa distribution, etc., le produit est vraiment génial. Si on part de base qui coûte 169,90, ce qui est le prix d'origine du produit en Europe, franchement, il vaut à 10 sur 10. Vraiment. Non, allez, à 9,5 parce que je suis quand même vraiment chéri de ça. Il est bien fait, mais je suis trop peu content. Alors, votre serviteur, il va dire 10 sur 10. Pourquoi ? Bah, parce que je suis satisfait. J'ai dit que je n'abusais plus, donc voilà. Sinon, ça serait un 15 sur 10 facile. Elle vaut vraiment son budget de base de 169,90. On va pas se mentir, le travail est vraiment génial. Le fait que le décor soit si minime, moi ça me dérange pas, parce que du coup on se concentre que sur elle, et c'est très bien, et elle permet de venir se compléter par rapport à d'autres choses. J'espère que les prochains produits ne seront pas coupés comme ça dans les quantités, pas aussi violemment, en tout cas pas vous dire, vous en avez zéro. Si on en a commandé 10, qu'on a plus 5, ben ça va encore. Tu veux un spoiler alert pour la suite? Ouais. Si, tu te rappelles ce Baby Yoda, la Diamond là, qu'on a commandé plein là. Non, pas zéro, on aura juste pour nos bons clients, tu vois, les gens qu'on aime vraiment bien. Ah, okay. Je regarde une ou deux pour vraiment les mecs qui sont à l'écran qui vont faire putain, je rêve de l'avoir. Bah écoutez, on va garder pour vous, mais j'ai tout enlevé du site. Ouais. Heureusement que il y en a qui aiment Mandalorian pour Mandalorian, pas d'autres. Wakanda pour toujours. Wakanda pour toujours. Voilà. Donc voilà, on vous présente cette belle review. Dites ce que vous en pensez, parce que Gentle, on n'a pas beaucoup de retours. Suffisant par rapport à Sideshow, vraiment une sorte qu'on discute beaucoup avec d'entre vous. Ouais. Du coup, on aimerait bien savoir un peu votre avis. Ensuite, bah, n'oubliez pas de liker, partager à vos amis qui aiment bien Star Wars, qui veulent découvrir des statues à plus petit budget et qu'on sait plus vite quasi qu'une Primeone Bane qui est juste à côté de moi et qui me casse les pieds. Et je pense qu'on est les seuls à présenter ça en review française. Je vois personne qui les présente. Bah non, Samuel, il s'en fout. C'est vrai. Mais c'est quoi, cool, il n'y a pas le budget, c'est censé être pour eux. Lui, il préférait acheter des bad pods. On a dit qu'on arrêtait. Non, voilà. En tout cas, voilà, franchement, une belle statue qu'on aura en review. N'hésitez pas à liker, encore une fois, partager. Allez sur Facebook, on fait des lives tous les mardis soirs à 18h30. C'est vraiment mais génial. On partage. C'est The Émission. Ouais. On vous parle de tout, actualité, de plein de choses. Parce qu'on a chacun nos préférences. Moi, j'aime beaucoup les mangas, du coup, j'en parle. Toi, t'es beaucoup Batman, on va pas se mentir. Ouais, comme dans Star Wars, Batman Jedi. Ouais, exactement. Et donc voilà, on vous aime tous et merci d'avoir fait passer le cap de plus des 3000 maintenant sur la chaîne. En un an. Merci aussi aux gens qui nous ont donné un gros coup de pouce, Samuel entre autres. Merci quand même à Thibaut et à Luigi aussi qui nous sont également fort présents. Ouais. Bon, Luigi un peu moins. C'est Dark Maul et Savage Press de la team. Ouais, c'est vrai. C'est Dark Maul et Savage Press de la team. Merci à Elodie aussi de venir de temps en temps nous dire bonjour. Voilà. Hello! Elodie! Hello! Reviens! Hello! Ah bah, oh. Voilà, bah écoutez, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt! On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt!